Thank you.
Allô. Comment si, je crois que ça marche. Ah, vous l'avez entendu, elle, mais pas moi.
Mais attendez, est-ce que je peux demander une petite faveur? Moi, j'aime beaucoup voir le public. Et ils sont tous dans le noir. Alors moi, si on peut faire la lumière dans la salle... Oui, oui. Vous êtes tellement formidable qu'on peut partir là maintenant. Oui, ben écoutez, puisque vous êtes assis, il n'y a pas de raison que je reste debout. Non. D'ailleurs, j'ai une histoire comme ça. Quelqu'un me demande après un court voyage, je sais pas, Marseille. C'était bien le voyage, c'était bien. Ben, j'ai dit, écoute, il n'y avait pas de place debout, alors il fallait bien que je m'assoie. Écoutez, je voudrais quand même vous dire que je suis touché, ému et heureux dans le sens d'être malheureusement heureux ou heureusement malheureux dans le fait que c'est la vie comme ça. D'abord d'avoir Katia qui est une... Elle est... C'est... De dire que c'est une pianiste formidable, tati et tata, tata, on le voit, mais c'est une personne formidable. Et c'est une pianiste comme il n'y en a pas deux, même pas trois, même pas quatre dans le monde comme ça. Et Renaud, ça me touche beaucoup. C'est qu'il m'a invité comme ça, et d'avoir Maxime et tous ses amis qui sont venus justement autour de ça. Alors, on va juste nous jouer quelques petites pièces. La plupart de ces pièces étaient écrites et jouées par quelqu'un, en tout cas nous, les violonistes, tous les pianistes aussi d'ailleurs, et tous les musiciens. Et moi, en tant que jeune garçon, j'ai eu la chance d'entendre. Je déteste ce mot quand on dit « live ». Quand on dit « live », je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout le reste est mort, moi, j'en sais rien. « Live ». Eh bien, c'était Fritz Kreisler. Bon, et on va commencer par Liebeslied de Kreisler. Et Liebeslied, ça veut dire une peine d'amour. Enfin, Liebes, l'amour, Leid, ça veut dire souffrir. Mais sans souffrance, on peut avoir l'amour, mais sans amour, on ne peut pas avoir de souffrance. Alors, ça va très bien. Parce que Barbara a dit « Mon plus grand amour, c'est vous ». Vous savez cette chanson? Thank you.
De phrase là. Schöne Rosmarine. La jolie Rosmarine. Alors moi je pensais toujours c'était la jolie Rosmarine, le nom d'une fille, mais non, pas du tout, c'est une fleur. Écoutez, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Pièce d'une compositrice du 18e siècle. Moi, j'habite dans le 6e. Non, elle est du 18e, voilà. Qui s'appelait Theresia von Paradis. Est-ce qu'on peut avoir un meilleur nom? Je ne sais pas.
Elle s'appelle Thérèse von Paradis. Et elle a écrit cette Sicilienne. C'est la seule chose que je connais d'elle. C'est la seule chose que la plupart des gens que je connais connaissent d'elle aussi. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre. À moins qu'elle a écrit... À moins que c'était peut-être Beethoven qui a écrit sous le nom d'elle. Ah, c'est possible. J'ai jamais pensé à ça, oui. C'est vrai. Tout est possible. C'est vrai. Jamais pensé. Hein? Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est... C'est pas drôle, hein? Elle, ça, donc, ça s'appelle Sicilienne de Thérèse von Paradis. On a joué tout ça lent pour que ça dure un peu plus longtemps. Mais là, on arrive à la dernière pièce. Et ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle Syncopation. Vous imaginez? Ce n'est pas une syncope, c'est une syncopation. Occupation, préoccupation, syncopation. De... Hein? De Chrysler, oui. Oui. De Chrysler, évidemment. Syncopation, syncopation.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.